Bertrand Latour, vous étiez là quand Didier Deschamps a parlé de Kylian Mbappé. J'aime bien ça. Ah bon, oui. Vous le trouvez hors de forme? Bah, disons qu'on l'a connu plus étincelant quand même. C'était légitime de se poser la question, non? Bah oui, c'est que là, sur la question du confrère d'RMC, Jean-Noré Séguier, là, il taille un peu le journaliste en lui disant il le protège, il sort le bilan comptable. Et sur la mienne, où je lui dis, bon, bah, vous l'avez trouvé très bien, donc je vous parle pas de Mbappé, il me répond, c'est pas parce que j'ai dit qu'il était pas mauvais qu'il a été exceptionnel non plus. Donc il sait très bien le niveau de Mbappé. Moi, je pense que la clé, il y a deux clés, à mon avis. Évidemment qu'il faut que tous les joueurs soient bons, mais pour moi, il y a deux clés à la réussite de cet Euro pour l'équipe de France. Un, que Mbappé soit aussi fort qu'il a pu l'être dans les compétitions précédentes et notamment aussi déterminant qu'il a été à la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est fondamental. Et donc, l'objectif numéro un du staff physique, sans doute, et puis technique pour le mental de Mbappé, c'est de le retrouver au top. Et la deuxième clé, c'est de retrouver une charnière performante. Alors, je ne sais pas si c'est Konaté ou pas Mécano, si c'est un Kurt Pavard, enfin, peu importe. Mais ce sont ces deux axes-là. Et donc, le prioritaire, évidemment, c'est Mbappé. Parce que le joueur différent, celui qui nous fera gagner les matchs quand on a du mal, ce sera lui. Et probablement, en tout cas, difficilement un autre. J'ai du mal à l'envisager. Le prioritaire, c'est Mbappé. Vous comprenez ce que dit Bertrand? Benoît, capitaine, meilleur joueur, meilleur buteur. En fait, on parle de Mbappé parce qu'effectivement, depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, on ne retrouve pas le Mbappé de la saison précédente ou même du début de saison. C'est-à-dire qu'on le voit moins en jambes, on le voit aller moins vite, on le voit moins provoqué dans le 1 contre 1. Limite, on se dit que Barcola et Dembélé étaient beaucoup plus efficaces dans ce secteur-là que lui. Moi, j'espère... Non mais espérer, c'est pas... Non, moi j'espère juste qu'en fait, cette officialisation au Real Madrid se fasse entre les matchs amicaux, que ça le décharge un peu parce que... On en parle vers le 3 juin, c'est-à-dire que pas le lendemain, si jamais il gagnait la Ligue des Champions, qu'il célèbre tranquillement et que le surlendemain... Moi je trouve que ça le déchargera un petit peu de cette pression parce que lui il a beau dire j'ai pas de pression, je suis... Non, c'est en fait il a montré là depuis quelques mois que c'est un humain comme tout le monde, c'est-à-dire que quand il est moins bien, quand il a des soucis, quand il est moins bien sur le terrain, c'est comme ça, ça s'est vu... Et parce qu'il m'embête, je le trouve moins vif. Oui, pourquoi? Parce qu'on l'a vu aussi prendre beaucoup plus de masse musculaire. Donc, est-ce que c'est. Moi, j'ai fait le parallèle aussi avec un Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Cristiano, lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, il a arrêté de se focaliser sur le dribble dans le 1 contre 1. Il s'est dit. Il a dit, moi, je me concentre sur le but. Je veux marquer l'histoire du football. Je veux scorer, je veux des stats. J'ai l'impression que Mbappé veut se diriger vers ça. Le problème, c'est que pour l'instant, devant le but, c'est pas Cristiano Ronaldo. Et dans les 1 contre 1, dans la percussion, ce qui faisait sa force, ça ne l'est plus. C'est pas Ronaldo, il a quand même mis 45 buts cette saison, en 45 matchs. Sauf que sur le mois de mai, un seul but. C'est ça. Et c'est très rare de voir Mbappé ne marquer qu'un seul but sur 4 matchs joués. Sur 4 matchs joués, sur 6 disputés. C'est une statistique qui est aussi rarissime. Sa note moyenne est 3,75 sur 10. Et on l'a comparé sur les derniers mois. On a fait un petit histogramme. Regardez, mois par mois, c'était 7 buts en janvier. Il était une moyenne d'aller entre 7, 6, 5 buts. C'est rarissime de voir un Mbappé ne marquer qu'un seul but sur un mois, donc 4 matchs, c'est tout. Je vais saluer Djibril Cissé qui est toujours avec nous devant sa télé, qui me participe à l'émission et qui m'envoie des messages. Pour Mbappé, on va écouter ce que dit quand même l'ex-buteur de l'équipe de France. Salut Djib. C'est sa situation actuelle qui le plombe et qui, en gros, lui croque le cerveau. Est-ce que vous vouliez dire aussi? Non, mais c'est sûr que je pense que mentalement, il a beau être fort, il a beau essayer de repousser tout ça. C'est pas lui qui va négocier tous les jours avec les avocats du PSG, mais forcément que ça bloque un petit peu. Puis sa fin d'aventure avec le PSG, il a peut-être aussi dans sa tête, il est peut-être pas à 100% se dire Enfin, voilà, il n'a pas forcément envie de se dépasser pour un entraîneur qui le met sur le banc un jour sur deux, pour un président. Non, mais avec les Bleus, il n'avait pas été bon au dernier rassemblement. Mais voilà, mais oui, mais forcément, après, ça se décline aussi avec les Bleus. Là, il va arriver, il va se décharger. Le PSG, il tourne la page. Le côté financier, c'est pas lui de gérer. Il va arriver dans un endroit avec le sélectionneur qui l'adore, il a une confiance absolue, c'est le patron, c'est le capitaine, tout le monde l'attend. Une fois que ce sera aussi officialisé son arrivée au Real, je pense qu'il y aura une forme de libération qui va l'aider aussi forcément physiquement. C'est certain qu'il y a l'aspect psychologique qui joue beaucoup pour Kylian Mbappé. Il a laissé beaucoup d'influx cette saison dans tout ce qui est extra-sportif. C'est notamment Loïc Tanzi qui suit le Paris Saint-Germain qui nous disait en plateau, il a laissé énormément d'énergie, toutes les attentes autour de son annonce, les atouts autour de ses adieux. Et là, il a encore un dossier important à gérer, c'est l'officialisation de l'identité de son futur club, même si on a peu de doutes que ce sera le Real Madrid, mais quand même une annonce qui pourrait tomber d'ailleurs en plein rassemblement des Bleus. Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet-là en conférence de presse et le sélectionneur a bien conscience que tout ce qui touche à Mbappé suscite beaucoup d'attention de la part des médias.
Et Kylian Mbappé, justement, qui a déclaré « J'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure et il n'y a plus que quelques jours, donc il n'y a pas de problème ». C'est ce qu'il avait déclaré lors de la finale de la Coupe de France le 25 mai dernier. Donc, on sera sûrement fixé soit avant le 5 juin, match contre le Luxembourg, match amical, ou alors avant la première rencontre de l'Euro face à l'Autriche le 17 juin. Enfin, en tout cas, on espère pour les Bleus qu'ils soient libérés de tout ça. On finit avec Mbappé, bien sûr. Sébastien Carré, je donne la parole. Mais avant cela, Bertrand Latour. Bertrand, vous voulez réagir aux propos de Benoît et de Candice? Ouais, je trouve que Candice, elle est très optimiste quand même au sujet de Mbappé. Deschamps, il l'a dit lui-même, hein, il n'est pas magicien non plus. Et s'il y avait 3 semaines de préparation, un temps long, vous avez davantage de temps. Là, il y a 2 matchs de prépa, vous êtes à 14 jours ici. Aujourd'hui, bon, bah, c'est le jour de l'arrivée, donc évidemment, c'était une séance extrêmement légère, ils ont juste couru. Et puis, je pense que se dire Mbappé n'est pas bien parce que il a eu des problèmes avec son club, je trouve que c'est l'absoudre de pas mal de manquements sur sa saison, enfin de manquements en tout cas de lacunes qu'il a pu afficher sur différents aspects. Ce côté félin qu'il avait jusqu'à il y a pas si longtemps que ça encore, hein, je vous le concède, cette peur qui suscitait chez les défenses adverses qu'on ne voit plus depuis un petit peu. Bon, est-ce que l'espace de 15 jours on va la retrouver aussi facilement que ça parce que il aura décidé qu'il est au Real Madrid et il sera avec le maillot bleu en rouge et le coq, c'est pas sûr. Enfin, je sais pas si c'est aussi simple que ça, quoi. Il y a un bouton en off ou pas, Seb? Non. J'y crois pas, ça. Et je crois qu'il est éventuellement possible que la préparation, parce que tout a été mis en place déjà par Didier Deschamps, en accord avec le joueur, pour qu'il y ait quand même des exercices un peu spécifiques, qu'il y ait une montée en puissance aussi individuelle sur Kylian Mbappé, vu sa saison. Mais il n'y a aucune garantie, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il a 2 ou 3 kilos en trop, qu'il a besoin de les perdre. S'il a envie de les perdre, il les perdra. C'est très facile pour, à son âge en plus, c'est extrêmement facile. Mais je pense que ça lui ferait beaucoup de bien de perdre ces 2-3. Vous parlez de surpoids, de masse musculaire? Je sais pas, mais très clairement, il a un tout petit peu. C'est rien. mais là, on est encore une fois, c'est de la mécanique de haute précision. On utilisait toujours l'image de la Formule 1. Et ben oui, les joueurs de foot à ce niveau-là, c'est de la Formule 1. Et 2-3 kilos en trop, c'est beaucoup. Et je pense qu'il en a conscience et il va faire le nécessaire. Donc le bouton on-off, non. Il a l'air affûté quand même là. Non mais après, si on compare avec vous, moi... Ah oui, rajoutez-vous parce que sinon je me vexe. Vous ou moi, oui. Plus, on peut rien voir. Évidemment, et en plus c'est très large. Oui. Mais c'est rien, encore une fois. Non mais vous avez raison, il faut préciser que ce sont des Formule 1. Donc si vous avez un détail qui change... On a connu des joueurs vraiment en surpoids alors qu'ils jouaient au très haut niveau, c'est pas son cas. Je pense qu'il a besoin de perdre 2-3 kilos. Zouleux, il est bien. Oui, Zouleux par exemple. Et donc s'il perd ses 2-3 kilos déjà, je pense que ça va lui faire du bien. Et effectivement, parfois c'est un peu aussi de la masse musculaire en trop, ça peut arriver. Et voilà, mais il y a un vrai doute, bien sûr qu'il y a un doute. Karine, question pour vous, est-ce que sans un grand Mbappé, ou en tout cas un Mbappé qui porte l'équipe de France comme il l'a fait régulièrement, la France a une chance? Ou sans un grand Mbappé, c'est compliqué? Bah, ça dépend, parce que le problème, c'est que tout le process de Didier Deschamps est basé sur Kylian Mbappé qui va faire l'exploit. Si on avait une équipe qui collectivement était très forte et avait un maillon fort, reproche, sublimé. Ben, c'est pas un reproche, c'est la réalité. Didier Deschamps, il met en valeur pour lui son meilleur joueur. Il pense que c'est Kylian Mbappé et il l'a emmené quand même plutôt loin dans les compétitions. Donc Didier Deschamps a raison là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui parfois sont privées d'un élément majeur mais qui sont tellement fortes collectivement qu'elles peuvent dépasser cet handicap. On a bien vu que lors du dernier mondial, bon, bah, on était quand même en difficulté collectivement. Et puis, il y avait quelquefois des petits ballons, pour Mbappé. Comment vous faites les petits ballons comme ça? Bah oui, c'était ça. C'était des ballons au-dessus de la défense, dans le couloir. Et puis, on voit ce que ça donne. Donc, malheureusement, on va pas se découvrir collectivement ultra fort comme à Manchester City d'ici 2 semaines. Donc, pour Didier Deschamps, et a priori, les gens qui... Il a tout intérêt à le retaper. Ça serait mieux que Mbappé soit dans de bonnes dispositions, oui. Bertrand Latour, à vous le mot de la fin, vous avez entendu tout cela. On garde le sourire quand même, haut les cœurs, hein, c'est le premier jour de rassemblement. On peut imaginer que notre meilleur joueur va faire un grand tour, on a envie d'y croire, même si, on l'a bien compris, il n'y a pas de bouton en off, hein, vous partagez l'avis de Seb, hein.
Ouais, moi je suis, ouais, bien sûr, mais vous, habituez-vous, on est très, très souvent d'accord avec, avec Sébastien. Non, mais bien sûr, il était d'ailleurs très souriant, Kylian, il avait l'air content d'être là avec ses partenaires, et je crois qu'il s'entend bien avec pas mal de joueurs de l'équipe de France. Pour certains, il jouait même au Paris Saint-Germain avec, il y a une bonne relation avec le sélectionneur qui sait le mettre dans les meilleures conditions, il a ce bout de tissu sur le bras, on aimerait que parfois il en fasse encore un peu plus, mais voilà, non, mais moi je suis pas défaitiste loin de là avant la compétition, je dis simplement, on a des réserves basées sur une saison, et on peut pas totalement les occulter. Avec le drapeau et le maillot de l'équipe de France et du maquillage sur les joues, mais bon, je pense que c'est pas exactement ce qu'on attend de nous, donc on espère qu'ils vont le faire, mais on a quelques petites inquiétudes, mais on verra déjà sur les deux premiers matchs, les deux matchs de préparation qui sont, je suis pas d'ailleurs certain qu'ils fassent très plaisir à Didier Deschamps, le fait qu'il y en ait deux, mais en tout cas ils y sont. Merci Bertrand, on vous retrouve évidemment tout au long de la préparation. Hein. Comment ? Avec Didier Deschamps, on est rarement inquiet. S'il y en a bien un qui arrive à gérer quelqu'un pendant un moment donné, c'est bien lui. Vous avez raison. En 2018, il est excellent. Mbappé, là, il est au fond du trou. Bon, on peut espérer qu'avec des chances... Il va trouver l'accord pour sortir de là. Excessif. Mais ça, c'est Karine. Vous savez, Karine, elle n'est pas excessive. Est-ce que... Non, mais vous avez déjà vu Karine excessive, vous ? Moi, jamais. À l'échelle d'Mbappé, il n'est pas bien. 2-3 kilos de en trop. Un but au mois de mai, demi-finale ratée de Ligue des Champions. On l'a dit. Il a deux doigts du précédent. Regardez. C'est vraiment lunaire, ça, les amis. On apprend que entre Nasser, donc l'ex-président de Kylian Mbappé, et Kylian lui-même, il c'est pas la peine. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour une partie. Alors, on apprend que entre l'ex-président Nasser et Kylian Mbappé, c'est pas la peine. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que chaque joueur a le droit d'aller voir ailleurs. Kylian Mbappé, il a fait 7 ans au PSG. 7 ans, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 semaines, ce n'est pas 7 mois. C'est 7 ans, les gars. Au bout de 7 ans, tu as le droit d'aller voir ailleurs. Voir moi-même. Tu as le droit d'aller voir ailleurs. Une fois que tu as fait le tour du club, tu as le droit d'aller voir ailleurs. Voilà Toni Kroos. Toni Kroos, vous avez vu comment le Real lui a rendu hommage? Vous avez vu comment le Real a rendu hommage à Toni Kroos? Vous avez vu comment le Real a rendu hommage à CR7. Le Real Madrid a rendu hommage à Karim Benzema. C'est comme ça les grands clubs. Vous avez vu comment Manchester City a rendu hommage à Gaël Clichy. Gaël Clichy, les amis. Gaël Clichy. Je ne parle pas de Kunda Agüero ou bien Gaël Clichy. On lui a rendu hommage. C'est comme ça les grands clubs. C'est comme ça les grands clubs. Lorsque tu te sépares avec ton club, vous vous séparez en bon terme. Voilà Sterling. Sterling s'est très bien séparé avec Manchester City. Il n'y a aucun souci. Pourquoi? Quand c'est le PSG, il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a toujours des choses. Je m'en souviens de Cavani. Cavani, il a quitté le PSG comme un malpropre. Cavani a quitté le PSG comme un malpropre. Comme un malpropre. Pourtant, à l'époque, c'était lui le meilleur buteur du PSG, Cavani, à l'époque. On l'a viré comme un malpropre. Il a quitté le club comme un malpropre, comme un bandit, comme un voleur. C'est incroyable. Le PSG a du mal avec ses stars. Je ne sais pas pourquoi Nasser n'aime pas quand on le quitte. Chacun a le droit d'aller voir ailleurs. Chacun a le droit d'aller voir ailleurs, les amis. Donc, moi, je pense que c'est une très mauvaise politique du PSG. Lorsqu'un joueur veut s'en aller, séparez-vous dans les bonnes conditions. Séparez-vous dans les bonnes conditions. Après, Kylian Mbappé, les amis, c'est un garçon très professionnel. Moi, je ne pense pas que ça va l'affecter et tout. Il va aller au Real Madrid. Tranquillou, tranquillou. Et vous allez voir ce qu'il va faire au Real Madrid. Vous allez voir ce que Kylian va faire au Real Madrid. Le Real de Madrid, c'est un club de prestige. C'est un vrai club. Pour moi, c'est le meilleur club de l'histoire. Vous allez voir ce que Kylian a fait. Vous allez voir. Kylian, pour moi, il va remporter le Ballon d'Or. Il est très probable. Moi, je le vois Ballon d'Or au Real de Madrid. Moi, je le vois Ballon d'Or, les amis. Vous pensez que si Kylian Mbappé, il continue sur ces stats-là,
soit il marque les 30-40 buts, à moins 30 à 40 buts. Ces stats-là sont, oh non, mais vous pensez que si il continue sur ces stats-là, pour moi, il sera ballon d'or. Imaginez peut-être qu'il en a marqué 40 buts avec le Real, toutes compétitions confondues. Le Real remporte la Liga et la LDC. Vous pensez qu'il sera ballon d'or? Vous pensez que qui sera ballon d'or si Kylian Mbappé finit une saison au Real de Madrid avec peut-être 35 voire 40 buts, toutes conditions confondues, avec un trophée de Liga et une LDC? Pour moi, il est clairement ballon d'or. Il sera ballon d'or. Ce n'est même pas un débat. Vous allez voir. Et comme le Real de Madrid, c'est une machine de Ligue des Champions, c'est un club qui remporte les LDC tous les deux ans, en cinq ans, Kylian, à mon avis, si tout se passe bien, il sera ballon d'or. Si tout se passe bien, sans blessure, sans rien, rien, pour moi, il sera ballon d'or. Puisque ces stats-là, c'est des stats de ballon d'or. Un mec qui te marque 40 buts, un mec qui te marque 40 buts, c'est des stats en nombre. Donc, les amis, le PSG, comme le PSG ne sait pas traiter ses stars, vous allez voir comment le Real de Madrid va traiter Kylian Mbappé. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Que voir que la chaîne, si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.